Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tuto, et on va toujours pas faire celui que je vous avais promis, désolé. Mais aujourd'hui on va se faire une carte de Noël. Voilà, j'ai décidé de vous offrir le tuto d'une de mes cartes de Noël. Donc cette carte va aller à mon marché de Noël et j'ai décidé de vous offrir le tuto. Donc elle va être un petit peu spéciale. Voilà, alors il va y avoir du papier calque dessus, du papier, enfin c'est pas du papier, c'est du plastique, et ça commence, j'ai oublié déjà mes mots, j'allais dire de l'acétone, l'acétate, voilà, papier acétate, de l'embossage à chaud, du tamponnage, voilà, différentes petites choses. Donc on va faire, pour faire ça il va nous falloir une carte craft, du papier calque, donc que j'ai déjà coupé à la bonne dimension, donc 14 sur 14, puisque la carte craft fait 15 sur 15. Ensuite j'ai déjà coupé, mais j'ai mis sur le côté. Voilà. Une carte acétate, donc moi c'est une imprimée, c'est plus joli, donc c'était une carte 30-30 à la base, donc j'ai déjà coupé, voilà, en forme de, alors c'est un petit peu mieux le voir, voilà, on voit mieux sur mon pull, en forme d'étoile. On va reprendre du papier craft, donc on va reprendre une carte de papier craft pour découper des motifs, et après on va certainement se prendre du papier comme ça, je verrai ce que il me reste dans le stock, voilà, puis des tamponnages, donc moi je vais utiliser celui-là, vous utilisez celui que vous voulez, hein, celui que vous avez bien sûr, et puis donc voilà, du ruban pour décorer, des petites choses, vous verrez au fur et à mesure. Donc pour l'embossage, moi je vais utiliser des inks en doré. Alors par contre pour mon embossage, malheureusement je vais utiliser, enfin je dis malheureusement non, mais je vais être obligée d'utiliser ma Memento noire, parce que ma color box blanche, je crois qu'elle est sèche, elle ne veut plus aller. Donc je vais utiliser la noire, mais ça pose pas de problème. J'ai déjà fait un essai sur mon calque, vous voyez. Donc ça ne change pas. Hein. De toute façon, derrière, oui, on va voir que c'est noir, mais l'arrière, on ne le voit pas. Donc voilà. Donc on va d'abord s'occuper du papier calque. Donc la carte, on la met de côté. Parce qu'on va s'occuper d'abord de l'embossage. Alors, je vais vous baisser. Voilà. Alors, je vais remonter. Voilà, je vois ce que je fais. Hein. Alors, c'est le boxon hein, sur moi. Hop. Voilà. Donc, j'ai un bordel. Mais un bordel. Donc, je vais utiliser. Les dies d'action de l'année dernière en forme d'étoile, donc on prend plusieurs tailles, hein. Je vois que la grande taille va être trop grande, oui, donc je vais prendre le moyen, celui-là c'est lequel, ben, le moyen c'est celui que j'avais pris pour ça, donc je vais peut-être reprendre encore un, comme ça, et après je prendrai le plus petit, je pense, voilà, donc, ces trois tailles là, et après le tout petit petit, il est là, voyez, pour faire des petites étoiles, pour décorer la page, enfin la carte, on peut sortir celui-là aussi, on verra bien, au fur et à mesure, bon, je les sors tous, à part le très grand, je verrai au fur et à mesure, voilà. Mon étoile déjà coupée, ça je laisse de côté. Alors il me faut une feuille
J'ai plus de feuilles souples sous la main là. Donc, je vais prendre ça pour l'instant. Alors ça c'est Julia qui me l'avait offert. Donc moi j'avais celui-là. C'est un coussin antistatique. Vous voyez, moi j'avais celui-là à la base. Et Julia m'avait offert gentiment un qu'elle avait fait elle-même. C'est du talc hein, dedans. Et c'est pour éviter qu'il y ait de la poudre d'embossage un peu partout. Donc. Voilà. On va déjà faire un coin. Il y a des paillettes sur je sais pas si vous voyez, je fais la paillette tout à l'heure et du coup j'en ai dessus. Voilà, je vais fermer mon encre tout de suite. Ici mon tampon. Donc voilà, le premier coin. Je vais mettre ma poudre. On peut attention ne pas la faire tomber. Comme une catastrophe. Hein. Moi surtout n'oubliez pas de refermer votre pot hein, avant de vous servir de votre high gun parce que sinon vous auriez des surprises. Alors désolé, il va y avoir du bruit. Voilà, un premier coin de fait. Je vous montre. Je ne sais pas si ça brille. Maintenant, on va faire le deuxième coin. Donc pareil, donc on fait le coin opposé. Hein. Donc pareil. Je mets l'antistatique avant. Et je reprends. Alors ce tampon, je l'avais eu, la boutique du tampon bleu. C'est la première fois que je m'en sers, pourtant ça fait un moment que je l'ai. Hein. Voilà. Petit mon tampon. Voilà, donc le tampon normalement j'en aurais plus besoin. Bien partout.
encore du bruit, désolé. Voilà. Donc là. Ça refroidisse un petit peu et donc voilà, vous avez fait deux coins. Oui. Voilà, donc ça j'en ai plus besoin pour l'instant, ça non plus. Alors je vous disais, donc le tampon, voilà, vous voyez, c'est ça. Non, attendez, ça brille. Voilà, c'est le tampon bleu. Donc ça fait ça, vous voyez. Ça fait très longtemps que j'ai, bah, très longtemps, enfin l'année dernière. Et le site internet c'est denimetampon.com. Si j'oublie pas, je vous mets le nom du site en barre d'infos. Voilà. Donc, ah, je fais un petit bout de crayon, je vais le mettre tout de suite. Donc le souci, enfin c'est pas un souci, comme c'est du papier calque, alors je vais le coller tout de suite. Alors, je vais faire un essai sur mon autre papier pour voir si ça se voit pas trop avec celui-là, sinon je mettrai le fin. Je pense que je vais mettre le fin. Je vais plutôt mettre le fin. Le fin. Et ici. Donc le fin, c'est celui-là. Donc moi, j'ai l'habitude de mettre mes cartes dans ce sens-là. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Et alors, on va retirer la protection. Alors sur le fin, c'est une galère pour enlever la protection. Je sais pas où, mais ah. En plus, je suis pas très calme aujourd'hui. Je suis en colère contre ma banque. J'ai été, bon, je vous raconte un peu, mais bon, ça me,
rien de grave, hein, mais cette semaine, j'ai été à découvert de 3,23 €. Voilà. Donc j'étais à découvert quoi, 48 heures. Mon mari m'a remis tout de suite, ben lui c'est pareil, hein, il est au chômage, donc on a remis tout de suite 5 euros sur le compte pour couvrir le découvert de 3,23 €. Donc ça s'est passé il y a, donc le découvert il y a 3 jours. Le lendemain, donc on a mis l'argent sur le compte. Et ce matin, je regarde mon compte et je vois que je suis encore à découvert, sans aucune... Excusez-moi. Téléphone, il sonne pour rien. donc je regarde mon compte ce matin et je vois que je suis encore à découvert, sans aucune activité sur mon compte, mais de 23,66 €. Je suis d'accord, j'ai qu'est-ce qui se passe encore, surtout qu'il y avait rien qui devait se passer sur mon compte. Donc je téléphone à la banque et la banque me dit bah oui, c'est les frais de pour le découvert que vous avez eu cette semaine. Putain, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. 24 euros de frais pour un découvert de 3 euros. J'ai pété un câble au téléphone. Et je leur ai dit, ça vous... Je vous ai envoyé un message à ma conseillère, parce que bien sûr ma conseillère n'était pas disponible. Je veux qu'elle me rappelle. Et puis qu'elle m'enlève ses frais. Voilà. Il faut qu'elle enlève les frais qu'elle m'a mis. 24 euros pour 3 euros. Non mais ils sont timbrés dans les banques. C'est pas de mieux en mieux, hein, je vous assure. Bon, voilà. Allez, j'ai réussi à coller mon petit calque. Donc maintenant, on va couper des petites étoiles. Donc j'avais dit que j'allais... hop là, je vais tout tomber. Je sais pas pourquoi mon téléphone a sonné. Du coup, j'ai coupé la vidéo pour rien. Téléphone a sonné deux fois, ça a raccroché. Bon. Donc, je reprends. Je vais sacrifier une carte. Mais bon, c'est rien. Je la sacrifie, mais elle me servira pour faire des découpes. Voilà, j'en prends une partie. Et je vais couper donc une grande étoile. Voilà. Bon, je vais mettre un petit bout de masking tape. Pour que ça bouge pas. Bon, là, vous n'allez pas voir, mais je coupe avec ma Big Shot, hein. Ça fait du bruit. Voilà. Je récupère mon étoile. Là je ne peux pas bien pour l'instant, donc là je vais en avoir une comme ça, je vais en avoir une comme ça, donc je vais mettre en 3D, hein. Je vais mettre du doré je pense, mais alors du doré comment,
Comme ça du doré comme ça. Du doré comme ça. Donc, je vais couper une plus petite comme ceci. Pareil. Donc, je vous montre avec celui-là. Donc là, j'avais déjà coupé des étoiles tout à l'heure parce que j'ai fait une autre carte. Tout à l'heure, j'ai fait celle-ci. Voilà. On va couper. Voilà. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce que je mettrais bien encore? Du blanc. Ouais. Alors, j'ai mis laquelle? Là, donc je vais mettre la plus petite. Donc vous, vous mettez les couleurs que vous voulez. Hein. Blanche et alors j'ai encore une plus petite. Est-ce que je referai une ouais, je vais refaire une comme ça. Alors, comme je dis, vous mettez les couleurs que vous voulez, votre fond de carte, pareil, hein, vous faites à votre goût. Ensuite, ben, les superpositions, comment je vais faire des toiles, pareil, hein, vous faites à votre goût. C'est juste pour donner une idée de... Voilà. Et on va finir par la toute petite comme ça. La toute petite, on la finirait quoi? En blanc ou en doré? Je vais bien la finir en blanc, peut-être. De toute façon, je vais en faire plusieurs après des blanches. Ça sera la dernière. Voilà. Elle est vraiment toute petite. Allez, hop. Je sais pas s'il n'y en avait pas une entre deux, ça me paraît bizarre. Il doit m'en manquer une entre deux. Je vais laisser dans mon classeur. Attendez.
Celui-là, hein, les filles. Je regarde si j'en ai pas laissé une, parce que tous mes dice sont tombés. Se sont tous détachés. Et non. Ben non. Je ne sais pas. Allez. Donc, on va commencer à les coller. Si je retrouve mon double face. Si je retrouve mon gros double face. Ah, il est là. Voilà. Donc, on va commencer par la grande, bien sûr. Alors là, en sachant que celle-ci, il faut que le double face soit caché, parce que sinon ça va pas faire joli. Donc l'idéal, c'est d'abord de coller la dorée sur la, sur celle-là. Pour savoir où mettre le double face. Donc là, on va coller celle-ci. Bien au milieu, enfin moi je la mets bien au milieu, vous faites comme vous souhaitez. Voilà, voyez. Hop. Comme ça là je sais où mettre mon double face maintenant. Pour pas qu'il se voit. Il est un peu trop grand. Voilà. Et là, comme l'étoile est transparente, ben justement, faut pas que ça se voit. Hein. Et on va continuer les superpositions. Comme ça. Désolée, il y a une coupure, pourquoi je n'en sais rien. Donc voilà. Encore deux étoiles. Là, il est trop grand. Papa Noël, est-ce que tu veux m'envoyer une nouvelle caméra, s'il te plaît?
si tu veux être gentil avec moi. Mais bon. Papa Noël n'a pas de sous non plus. Hein. Je vais te taper la caméra. Je vais te taper. Si tu n'arrêtes pas de couper comme ça, je vais te taper. Les copines vont pas être contentes. Non mais. Ça veut dire quoi ça? Voilà, on met la petite dernière. Alors, la petite dernière, je ne sais pas jamais. J'ai envie de la mettre. Bon, la caméra a décidé de m'embêter. Donc voilà. Donc là, on va mettre un joyeux Noël. Et pour ça, on va choisir. Alors, on va choisir un bandeau. Ça va se glisser en dessous. Voilà, comme ceci. Donc on va le couper on va le mettre là. Allez, j'espère que c'est la dernière coupure, hein. Il n'y avait plus de batterie, donc là j'ai rechargé un petit peu pour terminer. Donc je vous disais, on a, voilà, alors pendant que ça rechargeait, j'ai recollé trois petites étoiles, voilà. Et du coup, ben, j'ai fait l'étiquette. Joyeux Noël. Donc, vous pouvez aussi la faire pour la bonne année. Hein. Là, j'ai mis deux attaches que j'ai repliées derrière. Mais j'ai mis un double face. Comme ça. Un double face 3D. Donc, on va le coller ensemble. Ce sera la dernière partie de la carte. Voilà. Et le joyeux Noël, bien sûr, je l'ai embossé en poudre dorée. Donc là, moi, je vais le mettre ici en bas, au milieu. Et je fais dépasser un petit peu en bas du calque. Hein. Et voilà, ma carte est terminée. Voilà. Ma carte de Noël dans les étoiles. Donc j'espère qu'elle vous plaira, que vous pourrez la refaire également. Voilà, elle brille pas mal, hein. Et là même de l'avoir fait dans papier craft, ça fait très joli. Voilà pour le petit tuto d'aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors, on va mettre un petit peu la caméra avant que ça coupe. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et bah, que vous referez la carte également. Et je vais vous mettre des photos de la carte juste après, comme ça vous la verrez mieux en détail. Et on se retrouve, bah écoutez, j'espère demain. Demain après-midi, j'ai un rendez-vous, mais demain matin, j'essaie de vous faire une vidéo. Je ne sais pas sur quoi, on verra. Et on se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures.
Bye bye. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto, malgré toutes les coupures qu'il y a eu à la fin. Désolée encore. Alors, je pense que c'était ma caméra qui a bugué. Allez, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, à bientôt.